Le coronavirus qui a eu raison d'une autre émission que vous deviez animer, Olivier Mine. Interville, tournage annulé, vous le confirmez ? Oui, en effet. L'émission a été alors annulée, reportée. D'accord. Intermiasme. Ça veut dire que ça va avoir lieu quand, confiné ? Aucune idée. Pour l'instant, aucune idée. Mais vous savez, on est seulement dans la progression des différentes mesures prises par le gouvernement. On ne sait toujours pas aujourd'hui ce que sera la position de la France sur un éventuel stade 3. Donc tout ça fait que, voilà, on est dans le flou. On parle plutôt de l'été prochain maintenant pour un tournage ? On parle de... Ben, on ne parle pas. Enfin, en tout cas, moi, on ne me parle pas. Donc je ne sais pas quand serait prévu. Écoutez, très sincèrement, tant qu'à faire, puisqu'on reporte le tournage, ce serait pas taper le tournage en décembre, parce que franchement, Interville par moins deux, c'est quand même beaucoup moins rigolo que quand il fait bon. On a Fort Boyard également qui arrive bientôt. Aucune menace sur Fort Boyard pour l'instant ? Pour le moment, non. En l'état actuel des choses ? Pour l'instant, ça va, mais c'est vrai que Fort Boyard, nous sommes 170 sur le fort, en promiscuité très appuyée, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Non, j'avoue que. Mais on est tous dans le flou. Il y a des plans B déjà auxquels vous réfléchissez pour Fort Boyard ? Tourner plus tard ? Absolument pas aujourd'hui ce qu'il en est des discussions entre France Télévisions et ALP, mais très sincèrement voilà, on peut tous espérer quand même que d'ici à fin avril, début mai, on y voit d'abord plus clair et surtout que l'épidémie soit circonscrite, mais pour l'instant on est dans le flou.